monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau tuto où je vais vous apprendre encore une fois de plus à réaliser une transition. Mais cette fois, je vais pas faire n'importe quelle transition. Je vais faire une transition qui m'a beaucoup plu. La transition que j'ai nommée, alors après beaucoup de réflexions intenses, la Scope Transition Déformation. Alors, oui, j'ai trouvé avec beaucoup de temps de recherche. Donc, qu'est-ce que c'est? Je vous la montre tout de suite. Donc, j'ai coupé la musique. Alors, ça arrive. Voilà, c'est ça. C'est cet effet de truc qui arrive, qui est glou 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 dans tous les sens, comme une mare d'eau. OK. Et boum. Le clip part tout de suite dans la foulée. Et voilà. Donc, au passage, petit bonjour à Genos qui nous a réalisé un magnifique quad-fit headshot après au DSR50. Et je crois que c'est Sad. Vise au Sad qui a rentré sa triple en une balle, mais j'en suis pas sûr. Non, c'est Nero. Toutes mes excuses, c'est Nero qui a rentré sa triple en une balle. Donc, comment on va faire ça? Donc, vous voyez ici, c'est un truc qui arrive du milieu qui bouge dans tous les sens. Boum, qui vient de fixe, et c'est parti. Et avec la musique, ça suit un peu le rythme de la musique. Alors, comment on va faire ça? Donc, au passage, cette vidéo est disponible sur la Viso Snapping. Vous avez le lien qui s'est déjà affiché. Donc, vous allez prendre votre clip, donc votre clip normal quoi, il n'y a pas la musique parce qu'on s'en fiche pour le moment, on ne fera pas avec la musique. Vous allez venir dès qu'il fait, donc Nero fait sa triple en une balle, hop, dès que vous avez fait sa triple, dès qu'il a fait sa triple en une balle, vous mettez un Twixtor, donc bon, Twixtor, hein, vous ferez votre Twixtor, 59,94 pour une meilleure, un meilleur résultat, et puis on va venir par exemple, on va dire. Après, donc il est ici à 4 secondes 52, on va venir à 5 secondes 20. Et on va mettre le moment ici où on a le droit au magnifique zoom. Alors, qu'est-ce que c'est qu'en fait ce truc? C'est qu'on va chercher le moment où il veut faire le kill. Donc on va chercher le moment. Donc on zoome un maximum pour avoir un maximum de précision en déplaçant le kill, oui, tout à fait. Le calque. Excusez-moi, donc on cherche vraiment le moment où il tire, et là, encore une image derrière, donc vous dépassez image par image, boum, là il tire pas, ok, donc, tac, là il tire, hop, on va sur le calque, on fait calque, ajouter un repère, ok, donc là on a notre vidéo numéro 2 qui se trouve au-dessus de notre vidéo numéro 1, d'accord. Jusque là, je pense que vous me suivez. Là, on va juste venir une image avant qu'il tire et on va faire commande majuscule D sur le deuxième clip. Donc celui où on va s'amuser à faire l'espèce de vague bizarre turbulence. D'accord. Jusque là, j'espère que vous me suivez. Et là, vous allez me dire, c'est bien, vous avez fait commande majuscule D. Mais le problème, c'est que, ben, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va venir faire commande D sur le deuxième clip et on va venir faire clic droit, donc sur le troisième calque, parce que le deuxième qu'on a multiplié, ça donne un troisième, ce qui paraît logique. On va venir sur, donc clic droit, instant geler l'image, qui au passage, instant geler l'image est disponible dans calque, instant geler l'image. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on a? On a cette image qui est gelée, qui est tout en fixe, et juste avant, on a notre clip, et là, on a le splatch de truc qui arrive. Quand je dis splatch, c'est l'image fixe. Bon, jusque là on est bien parti, c'est un bon début. Si vous avez fait ça, déjà c'est énorme. Maintenant vous, non je plaisante, hein, c'est une blague. Maintenant vous allez, vous allez venir en haut, vous allez cliquer tout simplement sur l'outil ellipse. Alors, pourquoi directement cliquer sur l'outil ellipse et pas sur l'outil le milieu? Alors parce que par défaut c'est déjà au milieu. Bon. Vraiment à la limite remettez-le au milieu, mais ça n'a pas vraiment d'importance parce que c'est déjà au milieu, c'est pas une transition, on a besoin que ce soit dans un angle en bas à droite, en bas à gauche, ici, bref on s'en fout. Donc vous cliquez directement sur l'outil ellipse et si c'est pas au milieu, pour information faites-le. Donc là on va venir se placer au milieu du scope, on va appuyer sur le pavé tactile, ok normal, on se déplace, là on va faire majuscule, pourquoi majuscule? Pour un beau rond droit, et pourquoi commande? Parce que ça va remettre, ça va l'agrandir en fait, et là comme un, toutes mes excuses, j'ai lâché le pavé tactile, et du coup ça a foiré. Donc bon, moi je vous conseille de faire comme ça, une ellipse après jusqu'en bas, vous faites commande, et vous venez comme ça, donc moi c'est super galère, vraiment si vous me voyez avec mes doigts en train de galérer, vous rigoleriez, bref, donc là, vous prenez vraiment que le milieu,
Bon, c'est pas très grave si c'est un petit peu. Voilà. Bon, vu que c'est pour un tuto, j'aimerais bien que ce soit pas trop moche. Faudrait vraiment que vous voyez si on voit à peine le noir quoi autour. Là, vous voyez, on le voit, donc faudrait diminuer un tout petit peu. Voilà, là c'est parfait. Vous lâchez le pavé tactile et après avoir lâché le pavé tactile ou votre souris, vous lâchez les deux autres touches qui sont commande et majuscule. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a notre calque d'avant, donc notre triple main balle. Et maintenant, on a ce scope qui vient nous faire chier en plein milieu de l'écran. Ok, donc là, ça, on va arranger le problème. Bon. Faut pas oublier que l'effet donc de Twister commence ici. Donc pour bien s'en rappeler, parce que moi j'ai la mémoire qui flanche des fois, vous venez bien sur votre premier calque et vous venez ici mettre calque, ajouter un repère. Comme ça, on se repérera beaucoup plus facilement. On va prendre son clip, son deuxième clip, et on va le repousser plus loin. Ok, hop, on le met au-dessus de l'autre et on le repousse plus loin. Maintenant, on va se dire donc après une seconde, ça suffit. Là, il y a y a le scope qui apparaît. Bon, le problème c'est qu'il apparaît en gros. Donc là, on va cliquer, donc on va appuyer sur S et on va le mettre à 0. Donc l'échelle, on met une petite clé quoi. On passe à 0 et on va venir environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Un petit peu, hop. Parce que je me suis trompé, j'avais pris 10, 10. Donc bref, on va à 10 images après et on le place. On le place. On met 100. Excusez-moi, soit vraiment fatigué. Donc maintenant, si on regarde, on a notre truc qui apparaît. Bon, il apparaît un peu trop lentement, donc vous le retardez. Au lieu de mettre 10 images, vous en mettez 8, 7. À peu près. Bon, c'est au feeling, hein. Vraiment faites ça comme ça. Hein. Cherchez pas. À vraiment compter, je vous dis des bases, hein, vraiment, voilà, ça monte, hop, c'est parfait. Ok, donc quand il est là, maintenant on va s'amuser, on va y ajouter un autre effet, vu qu'il est simple. On va venir dans effet, déformation, et on va mettre l'effet turbulence. Alors ça, c'est vraiment cool, ok? Donc, on va se faire vraiment plaisir. On va mettre la quantité, je sais pas, peut-être 70. Vraiment beaucoup, que ce soit vraiment déformé. La complexité, plus ce sera complexe, plus il y aura de pliures, de déformations dans tous les sens. 1,5, c'est bien. L'évolution, n'hésitez pas à la faire tourner aussi, parce que c'est la sorte de vague. Et la taille, pareil. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Donc, vous mettez bien une clé sur. Quantité, taille, complexité et évolution. On va se dire que environ 20 images derrière ou 30 images, je sais pas là j'étais à combien. Je suis un peu plus de 30 là. Non, là, je suis à 20 images. Bref, environ 20 images après. Un petit peu plus. 30 images après. Voilà, on va être généreux. Vous allez passer tout à 0, vous effacez tout, la taille, vous remettez tout par défaut, vous effacez, et ça va tout vous remettre par défaut. Ok. Et donc là, on a notre scope normal. Jusque-là, j'espère que vous m'avez suivi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a remis notre scope normal. Excusez-moi, j'ai rapproché le calque, je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, on a mis notre scope normal. Donc, on reprend. Au début, on arrive. Voilà, normal, le mec il fait sa triple main balle, comme ça. Là, il y a le scope qui zoome. Bah, qui zoome. Voilà, qui arrive, vous voyez, il y a les turbulences et tout. Voilà, le machin il bouge, il est content, il est joyeux, il se déforme. C'est la fête. Et voilà, et là, il est normal. Ok. Maintenant, on va se débrouiller. Vu que c'est bien fait quand même, mes tutos, du moins j'espère, pour le faire tomber au moment du kill. Donc là, on va faire commande majuscule D pour scinder le calque. On va repasser l'autre en dessous. Et on va se mettre. Toc, au moment où il tire. Pourquoi? Parce que là, l'image est fixe et là, boum! En fait, c'est synchro, je sais pas comment vous le dire. Au moment où il fait le tir, il faut que le calque d'avant soit terminé. Et vous vous rappelez bien qu'on avait mis la clé.
Et donc, comme ça, on retombe pile poil dessus, en fait. Vu que l'arrêt de l'image, on peut le couper comme on veut. Et là, boum. Ok. Donc, on a notre transition qui est réalisée et qui était très simple. Donc, j'espère que je vais pouvoir faire une prévisualisation. Je sais pas s'il voudra. Ouais, bon, bref, il veut pas. Voilà. Et puis, je vais pas vous la faire en bas de qualité, sinon on verra que dalle. Donc, ici, ça zoome. Vous avez votre effet qui est là, la transition. J'aurais pu faire un effet de vague noire autour, mais bon, je l'ai pas fait, hein. Et donc là, dès que ça revient classique, boum! Et voilà! Et ben après, vous pouvez vous amuser à faire ça avec de la synchro et de la musique. Vous pouvez en faire tout un tas d'exemples comme ça. Par exemple, il y a un clip où j'ai fait ça. Alors, je sais plus où c'est, excusez-moi, mais voilà. Ici, par exemple, il me semble de mémoire. Voilà. Donc là, la triple en une balle. Et là, hop, je sais pas si vous avez bien vu. On va se remettre ça au ralenti. Donc, je vous laisse regarder. Là, bon, bref, il fait son tir. Hop, et là, regardez en bas, boum, le snipe qui arrive. Pareil, le snipe a subi le même effet. Il vous suffit juste de faire un masque, de découper bien correctement tout le snipe. Pareil. Par contre, cette fois, l'effet du milieu, là, l'espèce de croix que vous cliquez, regardez sur ma composition ici, là. Au lieu de le mettre au milieu, vous le descendez bien en bas. Donc là, le faites pas vous sur votre truc, hein, c'est moi, c'est pour vous montrer. Vous mettez bien à peu près au milieu du sniper, vous mettez pareil, S de la taille, vous remettez exactement la même chose, ça marche pareil. Et ça marche pour n'importe quel élément du décor. Ici, j'aurais pu faire une transition, par exemple, enlever le ciel là, le faire venir en turbulence, et ça, les bâtiments, les faire venir en turbulence. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Après, moi, je vous ai montré vraiment une base. À vous de la personnaliser. Et bien écoutez, j'espère que cette transition vous aura plu parce que j'ai remarqué que vous aimiez énormément les transitions. Alors, bon, ben, si ça vous fait plaisir, je vous en ferai encore d'autres. Pourquoi pas, moi ça me gêne absolument pas. Et je compte aussi faire un tuto la prochaine fois sur After Effects sur l'insynchronisation car j'ai des abonnés, plutôt j'ai un abonné particulièrement qui m'a demandé de faire ce tuto. Donc, bon, ben, je vais en faire un. Au passage, je pense que ça peut aider pas mal. Donc bah écoutez, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, comme d'habitude, un petit like, un commentaire. Si vous avez des questions, bah, posez-les en commentaire, hein. Ou ajoutez-moi par Skype directement. Mon Skype est sur ma page YouTube, quoi, sur la droite. Et abonnez-vous pour ceux qui désirent me suivre. Et puis voilà quoi. Allez, je vous dis ciao, bye bye, et encore merci, à la prochaine.